C'est Medizamou pour une autre vie, pour une nouvelle vidéo sur une détente de FIFA 15. Excusez-moi pour la qualité, je suis encore avec mon téléphone. Qui tourne un petit peu à l'avantage des Parisiens ces derniers temps. Moi. Oui, pas faux. La saison dernière, Marseille n'a pas battu Paris et surtout a été éliminé dans les deux coupes par le club parisien. Donc moi je suis le PSG, donc là en gros je joue avec une seule main. Excusez-moi si je joue mal. Ah, c'est pas ce que je t'inquiétais. Comme je le disais, je joue avec une seule main, donc je peux pas vraiment marquer. Je vais donner mon max, ne vous inquiétez pas. Demain, ce sera un exploit si je marque. Marco Verratti. Oh, il y a plus que le gardien. Il a du chaud. Et c'est le but de Ravetti. Ouais, ça peut arriver, un but à une main. Tandis que je joue en pro là. C'est pas normal. Je joue en pro. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Voilà, je le tire. Oh, le gardien, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Oui, il a bien senti le coup, en effet. Et le PSG qui obtient donc un corner. Voilà le but. Il se prend la tête après cette action. Ce sera un autre corner pour le PSG. Certainement beaucoup. David Luiz. Et c'est le but de David Luiz. Un robot. C'est très bon, jeu de tête. On le sent très bon. Il lui donne la trajectoire du ballon. Un petit coup de pouvoir. Où est le gardien? Et c'est au fond. Les corners sont une arme redoutable, Hervé. La preuve encore sur ce but. Notre dit. Oh, magnifique extérieur de Zlatan Ibrahimovic. Je crois que c'est lui, Carré. Il prend un peu plus le large maintenant, c'est sûr. Le match qui a clairement tourné maintenant. Je suis désolé, ce sera une courte vidéo, à peu près de 10 minutes, quelque chose comme ça. Marseille qui reste à ce jour la seule française à avoir remporté la C1, la Ligue des Champions. Vous en savez quelque chose. Et on a tenu au courant. Même pas 10 minutes, je pense pas. Beaucoup moins. Marco Verratti, c'est pour le gardien. Je pense que ce sera vers les 7 minutes, 8 minutes. Mais bon, je vais essayer quand même. Ce sera un corner pour moi. Matuidi. C'est le but de Blaise Matuidi. Attends, on va revoir le but. On peut presque dire que c'est un match instantané. Excusez-moi, j'ai appuyé, ça fait exprès. On va être fier de l'OM et de la C1. Et c'est vrai que partout je vais. Attention là. C'est le but de Ibrahimovic. Allez, ça fait un doublé. Un doublé pour le joueur. Et alors quand on voit ce but d'Ibrahimovic, on a peut-être vu ce qui s'est passé. Hein, sous un autre angle. 5-0. Moi. C'est un exploit quand même. Hein. 5-0, un score à l'image de cette rencontre, déséquilibré. Mata. Magnifique, centre. Ah oui, c'est le danger là pour la défense adverse à mon centre. Zlatan. Oh, magnifique reprise de Zlatan. Allez, le petit point.
Oh, regardez ça. C'est magnifique, c'est à deux doigts de passer. Ça sera un corner pour moi. Marco Verratti. Ah, ça a failli passer. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Le gardien qui brille sur cette action. Très belle anticipation, en effet. La ici. On s'est bien parti. C'est le but de Zlatan. Encore un but. Ah, il est content, Zlatan, il est content. Non, c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Et ce but, cette fois-ci, avec une autre caméra. C'est enroulé, ça fait du bien. C'est pas de mal, surtout. Ah, les adversaires vont avoir du mal à revenir dans ce match. Vous voyez que c'est faisable, allez, allez demain. Numéro 10. C'est quoi ce soir, hein? Oh, la belle frappe. Le Paris Saint-Germain. Magnifique.